Quand les températures baissent, c'est souvent la facture de chauffage qui grimpe. À l'heure où les prix de l'énergie sont élevés, beaucoup de Français surveillent de près le thermostat de leur radiateur. Mais attention, un logement où il fait trop froid est mauvais pour la santé. La bonne température dépend de nombreux facteurs, à commencer par l'âge, la condition physique des occupants et leur activité au sein du logement. Plus vulnérables au froid, les jeunes enfants et personnes âgées ont besoin d'une température un peu plus élevée, entre 22 et 24 degrés le jour, entre 18 et 20 degrés la nuit. Pour des personnes d'âge moyen et en bonne santé, un chauffage réglé entre 20 et 22 degrés la journée et entre 18 et 20 degrés la nuit suffit. Important, la température intérieure de logement n'est pas sans conséquence sur la santé de ses occupants. Selon l'OMS, la température des pièces de vie ne doit pas être inférieure à 18 degrés. Un air trop froid peut irriter les poumons et provoquer des problèmes respiratoires. Un logement chauffé à plus de 24 degrés assèche l'atmosphère, ce qui n'est pas bon non plus pour la santé.